sur vos répétitions, essayez de finir. Si vous sentez que c'est trop dur, je vous propose une option un tout petit peu plus facile. Ce sera 25, 15, 5 au lieu de 30, 20, 10. Ça fera 15 répétitions en moins. Au lieu de faire 60 répétitions en tout, vous aurez 45 répétitions à chaque tour à la fin de votre challenge. Si vous choisissez l'option un peu plus facile, 25, 15, 5, n'hésitez pas, n'oubliez pas lorsque vous me mettrez ça par mail ou sur WhatsApp, votre temps et l'option choisie, soit avec 30, 20, 10 ou 25, 15, 5. Pompe, squat, tuck up. Je vous laisse encore une bonne minute de récupération et on partira sur notre circuit. On a eu à peu près 4-5 minutes de récup. Bon courage à vous, donnez-vous à fond, utilisez les options plus faciles sur les pompes, options sur les genoux. Pensez à garder le dos droit, n'oubliez pas que ce n'est jamais le bassin qui touche le sol avant la poitrine. Et que la poitrine cherche à descendre au milieu de vos bras en cherchant à coller les coudes vers votre buste. 30 pompes, 30 squats, 30 tuck-up. On y va? Je lance mon petit chrono. Récupérez quand vous le sentez. Allez, courage à tous. On se motive. C'est parti. Top. Allez, on y va. L'option des genoux est valable. Hein. Allez, il me reste des répétitions. Je ne sais pas combien pour vous. Allez-y, bien évidemment, à votre rythme. Et ensuite, on enchaîne avec le tuck-up. 30. Allez, c'est parti. Serrez votre périnée. Et les abdos. Enroulez, déroulez votre dos.
Allez, courage. Avec plaisir. Au revoir.